Salut à tous, c'est Rising. Voici déjà le troisième épisode de cette série. On a parlé des chars, des humains, et aujourd'hui on est là pour s'attaquer aux Azura. Et le mot attaquer est volontairement choisi. Alors accroche-toi à ton golem, je vais t'expliquer pourquoi faire un personnage de la plus petite race tyrienne jouable. Les Azura, c'est moche et ça sert à rien. Voilà, abonne-toi, mets la cloche, ciao! Mais non, ça va, je blague. Je ne déteste pas tant que ça les Azura, même si c'est la race avec laquelle j'ai le moins d'affinité. Allez, cette fois-ci, plus de blagues, on y va. Tout ce qui est petit est mignon. Ou pas. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, si tu es fan de Roswell ou que tu aimes avoir des personnages moches dans le jeu, si si, il y en a. Eh bien, l'Azura est fait pour toi. Miska, Mosca, Mickey Mouse. Je suis sûr que si Shishune jouait à Guild Wars 2, il ferait un personnage Azura direct. En vrai, regarde-moi ses yeux globuleux trop mignons, attendrissants. Et encore, je te parle pas de ses longues oreilles, plutôt... Oh, elle est moche. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche. C'est horrible. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Je pense qu'en fait, la race Azura est une race incomprise. En vrai, ce sont juste des figurines pop vivantes. Bon, on sait aussi qu'un bon MMO possède forcément une race physiquement petite. Regardez World of Warcraft et les gnomes. Quand on sait qu'Arena Net est la création d'anciens employés de Blizzard, on peut pas être étonné de trouver des Azura en Tyrie. Mais non, mais non, mais non, mais non, ne partez pas. Je vais dire des trucs sympas sur les Azura, c'est promis. Pratique en PVP. Mais sérieux, qu'est-ce que c'est pratique en PVP? Que cela soit en MCM ou JCJ, au vu de leur petite taille, tu seras beaucoup plus discret avec un Azura qu'avec un char. Si en plus tu cumules ça avec la profession de voleur ou envoûteur, je peux t'assurer que ton adversaire va s'arracher les cheveux à te cibler dans ce beau bordel. Bon, il y a quand même un gros bémol. Et une compétition où l'Azura est au centre du jeu, et ça bien malgré lui. L'Azura Ball, qui est un peu le lancer nain façon Tyri. En même temps, c'est une des rares fois où 10 joueurs se disputent pour obtenir un Azura. Les rois du Puzzle Jump. Alors si tu es pas fan des PVP mais que tu es un adepte des Puzzle Jump ou de la Super Aventure Box, l'Azura est fait pour toi. Vous allez me dire que je ronchonne tout le temps, et vous avez raison, mais perso, un jeu de plateforme avec un clavier, c'est pas mon truc. Déjà qu'avec une manette, j'ai du mal, alors utiliser la touche espace pour faire un saut précis, ça me rend dingue. Et je pense sincèrement que je prendrais plus de plaisir chez le dentiste que de faire un puzzle jump au-dessus de la lave. Je sais que je vais pas faire que des copains en disant ça, mais des fois dans le jeu, vous êtes obligé de faire du puzzle jump. Ça m'est déjà arrivé. Et quand j'y suis allé, j'ai emmené mon plus bel Azura. Oui, oui, j'ai des personnages Azura, je ne mens pas, je vous le prouve. La célèbre Taimi. Évidemment, je ne pouvais pas aborder la race des Azura sans parler de la si discrète Taimi. Son omniprésence dans la saison 3 et sa voix nasillarde qui vous interrompt en pleine action peuvent vite vous agacer. Mais il faut reconnaître qu'elle fait beaucoup avancer l'histoire. Et puis n'est-elle pas Taimimi avec son petit nœud rose? Ouais, c'est marrant. Heureusement, elle se fait plus discrète lors de la saison 5. Et de toute manière, si elle avait été aussi présente, on ne l'aurait pas entendu durant l'épisode 3 et 4. Le Covid aurait lui aussi eu raison de son doublage. L'intelligence au service de la Tyrie. Il est indéniable que la race Azura est la plus intelligente de toute la Tyrie. Et rien que pour avoir inventé les portails, je leur serais éternellement reconnaissant. C'est vrai que si la Tyrie n'était dotée que de technologie char, Cause the eyes of the ranger are upon you.
on aurait encore des pigeons voyageurs dans le jeu. Et on ferait tout à pied. C'est sûrement cette intelligence supérieure qui explique leur arrogance et condescendance quand on les croise. La corruption du dragon est incurable. Sinon je mourrais avec joie pour assurer le futur de la crypte. Comme c'est intéressant. Une question taraude tout de même. Depuis le temps, il n'aurait pas pu inventer une machine qui... Bonjour ! Filtre les messages de Taimi ! Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui me connaissent, vous doutez que ça a été dur de trouver 5 arguments pour défendre cette race. Mais voilà, l'exercice est passé et j'espère qu'il vous a plu. Il nous reste désormais 2 races à découvrir et pas des moindres. Alors on se dit à très vite les enfants. Allez, ciao !